Hello tout le monde, c'est Darkifou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série. Plein d'applaudissements, j'entends rien, c'est normal. Parce que j'entends pas derrière mon écran. Et même de toute façon je pense que vous applaudissez pas. Donc aujourd'hui nouvelle série, samedi couverte. Pourquoi samedi? Parce que ça sortira le samedi, pas forcément tous les samedis, voilà c'était des petites infos. Et donc découverte parce qu'on va découvrir des mini-jeux que vous ne connaissez sûrement pas, sinon vous pourriez pas les découvrir. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on découvre? On découvre le Turf Wars. Donc je vais vous montrer tout de suite en quoi ça consiste. Re les amis, donc on est sur la map, on est bleu. Et donc on va commencer par construire parce que c'est le build time. Alors vous voyez il y a une ligne là, une ligne. Hop. Bon, moi j'ai mon petit une ligne qu'on devra faire avancer en tuant des gens. Donc pour l'instant personne ne tue personne parce que c'est le temps de construction. Il reste 22 secondes. Donc moi j'ai mon petit pattern, je trouve bien utile. Parce qu'il ne demande pas de poser forcément la masse de blocs. Et il permet de passer dans un sens et pas dans l'autre. Il reste 7 secondes, on va être vigilant à pas se faire attaquer dès que ça commence. Donc là, on peut direct bander une flèche. Hop là, vous voyez, notre ligne vient d'avancer. Et on peut aussi casser des blocs avec nos flèches. On en reçoit pas du tout en permanence. Mais bon, voilà. Là. Hop là, on a eu quelqu'un. On a eu quelqu'un. Lui s'est un petit peu fait bombarder. Pas trop. Hein. On a touché personne tout de suite. Là. Ah. Du coup, là, je vais respawn. Je me suis fait toucher. Donc, il reste, comme vous pouvez le voir dans le scoreboard à droite, 45 secondes. La ligne avance plus ou moins. Nous, on a 43. Eux, ils sont à 18. Donc, disons qu'on a un peu plus avancé qu'eux. On va reconstruire notre bunker. Voilà. Donc pour l'instant j'ai le kit défaut. Enfin par défaut. Hop là, toi t'es mort. Toi t'es pas mort. On l'a eu. On l'a pas eu. Toi tu fly on dirait. Ah non. C'est juste qu'il s'est approché. Enfin il s'est trop approché d'une ligne. Ah je suis mort. Donc on va rush la zone. Donc vous voyez que là c'est le build time, donc on va pouvoir construire nos fortifications un petit peu plus en avant. Il reste 9 secondes, du coup c'est un peu chaud pour construire rapidement. Toi t'es mort, génial. Ah, je suis mort. Il commence à reprendre de... Il commence à refaire avancer la ligne. C'est pas grave, on va y aller. Toi, t'as pas compris que c'était par là. Toi, tu cours, je sais pas pourquoi. Hop là. On court en posant des blocs sous nous. Ça fait PGM, mais ça sert absolument à rien. Oh, flèche de l'infini. Ouais. C'est moi qui ai tué le dernier. Ouais. Du coup, on se retrouve pour une autre game. J'espère que ça vous plaît. Allez, à tout de suite. Donc, on est heureux sur une map. On a deux jolies petites Alex, là. Cette map, elle est un petit peu spéciale, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de terrain. Et voilà. Donc, on va faire notre petite fortification, comme on l'aime bien. Hop, hop. J'évite de me mettre trop proche de la ligne parce que quand la ligne avance, quand quelqu'un meurt de notre équipe, ça casse toutes les fortifications qui y sont. Donc là, tout le monde commence à bander ses arcs, là. C'est génial. Toi, t'es mal, là. Non. Hop là, une petite personne en moins. Une deuxième.
Ah, je me suis fait avoir. Il y a quelqu'un qui nous a bouché ça, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent ça, monsieur. Ah, quelqu'un t'a tué, toi. On l'a pas touché. Oh, je me suis fait toucher encore. Donc vous voyez, lui, il vient de se faire expulser parce qu'il s'est approché trop près de la bordure. Toi, merci de partir. On l'a touché. Ah, lui, je l'ai vu arriver. Enfin, j'ai vu sa flèche arriver droit sur moi. J'ai pas eu le réflexe de partir. Donc ils sont en train de gagner, mais pas énormément. C'est pas moi qui visais. C'était lui sûrement. Bon, on va passer par l'autre côté pour une fois. Ah voilà, nickel. Building time. Oh, on a un moins. Ah non, un peu plus. Ça, j'aime pas les gens qui font des énormes trucs comme ça. Bon, au pire, on va faire le truc bourrin de base. Oh, ça maman. J'ai pas pensé que, en fait, ils étaient en train de bander leur arc et tout. Voilà, flèche de l'infini. Trois petites lignes, ça fait plaisir. Quatre d'affilée. Tu m'auras pas, toi. Moins un. Encore moins un. Moins un. Ah, là, j'ai pas perdu tous mes cœurs d'un coup parce qu'il y a quelqu'un qui a un truc qui tire plusieurs flèches à la fois. Ce qui permet de... Attendez, deux secondes. Voilà, on se concentre. Tirer plusieurs flèches à la fois. Bah, comme ça, on est plus sûr de toucher quelqu'un, mais ça lui enlève pas tous ses cœurs d'un coup. Je crois qu'on lance trois flèches. Pour l'instant, on fait pas mal de kills. C'est pas mal ce petit jeu, ça entraîne le skill à l'arc. Et juste après, je vous ferai une dernière partie pour vous montrer un autre kit. Qui est le kit Infiltrator. Oh, trop tard. Donc mes copains, ils sont vraiment pas bien débrouillards. J'ai bien l'impression en tout cas. Voilà, on va commencer à bander l'arc. Voilà. Ah, je me suis fait avoir. C'était chaud. Ah, lui, il est bien placé. Il commence à faire avancer leur ligne. Mon Dieu. Ce moment est terrible. La petite flèche bien calée. Hop là, moins un. Pourquoi t'as bougé? Commence à bien faire reculer leur bordure. Surtout moi, je crois. Dommage. Tu reviendras plus tard. Oh! T'es vraiment pas le plus doué, toi.
Voilà, building time. On commence à bien avancer, c'est sympa, c'est sympa. Il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, je préfère rester en hauteur. Et tire sur mon bloc, toi. On gère plutôt bien. On va faire du kill, toi. Ah, oh, j'ai vu la flèche m'arriver en plein dessus. Vraiment, image en mode presque parfaite. Bon, cette partie est un petit peu longue. Mais ça prouve qu'elles peuvent toutes être un peu longues. Bon, c'est une des plus longues que j'ai faites. Bon, aussi, j'ai pas fait beaucoup de parties. On va le dire. Voilà! Regardez, lui, il était en kit infiltrator. Donc, on se retrouve pour la dernière partie avec notre kit infiltrator. Oh les amis, on est là pour vous montrer cette fois le kit infiltrator. Donc le kit infiltrator, qu'est-ce qu'il a de mieux ou de moins bien? Donc pour moi il a deux inconvénients et un avantage. L'avantage c'est comme vous l'avez pu vous pouvez le voir là à droite, il y a la ligne infranchissable normalement, sauf que bah elle est pas infranchissable avec le kit infiltrator. En gros, bah on peut la franchir avec ça. Problème c'est qu'on chope du slowness si on y reste trop longtemps. Et autre problème, on reçoit moins de flèches à la minute et voilà. Donc on va quand même viser le petit noskin là-bas qui est en train de faire son bunker. Je sentais que j'étais un peu mal là quand j'ai pas assez fait un zigzag. Donc vous avez pu voir là, je vais pas dans le bon sens, c'est pas ça que je voulais vous dire. Donc vous avez pu le voir, je peux passer la ligne sans trop de problème, même sans aucun problème à part les ennemis bien entendu. Voilà, on a fait notre petite traction dans le coin adverse, c'est génial. Là, on est en train de prendre bien cher. Lui, il va faire reculer la ligne un peu plus, du coup. Voilà, c'est bon, voilà, ils l'ont repéré quand même. Ah, c'est bon, on avance. Ah sérieux, j'aurais dû sortir mon arc, mais je pensais que je pouvais le toucher. Et comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à choper un sacré slowness. Du coup, c'était pas bien sympa. Donc là, on a plus de terrain que. Du coup, voilà. On va faire notre bunker qu'on aime bien. Voilà, on va faire ça, c'est-à-dire. Ah, pour l'instant, on peut pas le passer. Oh, le salaud. Du coup, on a quand même beaucoup plus de terrain. La flèche du bonheur. Voilà. On va essayer de s'infiltrer par ici sur cette map. Place, c'était bien joué de ma part. Mais qui se vendent pas du tout, bien sûr. Ah, ils vont faire sauter cette ligne, peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. Du coup, on est à 38 contre 24 là. 40-22. Ça se passe plutôt bien. On est content. C'est très la maison du content. Voilà. Maintenant qu'il y a moyen de passer par ici, c'est encore plus la maison du content.
Toi, t'es mort. Toi, là aussi, bientôt. Je vais tirer une flèche comme ça, complètement n'importe comment. Ah, je me suis fait one shot. Bon, 12,50. C'est plutôt sympathique. Building time. Voli-volou, hein. Bonjour toi. Regardez, il va casser mon bloc. Ah bah non. J'ai pas pensé que ça se passerait comme ça. Bon, on va essayer de jouer un petit peu plus avec le kit Infiltrator, tant qu'il en est encore temps, on va dire. Ah, j'ai eu un petit coup de lag là. Pas sympa. Toi, j'ai envie de te faire mourir là. Voilà. Oh, ils ont repris le dessus. C'est pas bon. Du tout. Du coup, on a dit qu'on allait jouer avec le kit Infiltrator. Donc, vous savez quoi? Eh ben, on va jouer avec le kit Infiltrator. On a commencé à choper un peu de slowness. Ah, oh, on s'est fait tuer. On reprend du terrain un petit peu. Bon, honnêtement, j'arrive pas bien à jouer avec ce kit. Moi, je suis plus pour jouer à l'arc là parce que slowness, c'est pas trop mon truc. Ok, génial. 32-30 toujours. Moi, je suis le mec qui fait reculer la ligne. Là, c'est le jeu où vraiment avoir des mauvais amis, c'est pire que en avoir des bons. Enfin, je dis amis, mais c'est allié quoi. Hop là. J'ai l'impression que là c'était plus poser le maximum de blocs plutôt que poser stratégiquement des blocs. Donc je vous ai dit mon pattern que je fais d'habitude. Hop là, ils ont pris cher dès le départ. C'est génial, on va vite aller faire du kill. Là on chopait du slowness. Voilà. Du coup on revient dans notre camp. Pour éviter de trop en choper. Voilà, on a plus de slowness. Ils sont où les petits coquins? Il y a un petit coquin ici déjà. Qui s'est fait durement choper. Donc là les parties sont vraiment plutôt longues. Quoi? Ah, je suis mort. Il leur reste 4. Attention, est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va pas gagner? Bon, on va gagner. Parce qu'il vous reste 4. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, les gens. Donc, n'hésitez pas à liker, du coup. Vous abonner pour pas louper les prochains samedis couvertes. Et donc, si ça vous dit, au prochain samedi. Yeah!